troisième épisode de notre émission, aujourd'hui avec Nadia Cassie. Est-ce qu'on se... Alors, première question, je la pose à toi. On se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie. Oui, bah, parfois, ce n'est pas évident. Donc, on se vouvoie. Alors, on va... Essayons le vouvoiement. Ça risque d'être très drôle, ouais. Mais pourquoi pas. Bah, allez, on va se tutoyer. Ouais. Comment tu vas? Bah, très bien. Très bien. Ouais, très bien. L'année 2017 a été une année particulière quand même, je trouve. Hein. C'est vrai. Et en même temps, on a l'impression que c'est très rempli parce que, bon, voilà, il se trouve que c'est le fruit du hasard. Il y a eu quelques films qui sont sortis en même temps. Mm-hmm. Mais c'est pas aussi rempli que ça. On a le temps de respirer, on a le temps de vivre, ça va, quoi. Oui, parce qu'il y a... Alors, en 2017, on a pu voir ici en France, sur les écrans, alors est-ce que je vais peut-être me tromper, il y avait d'abord Lola Pater, je crois, ouais. De Nadir Moknesh, qu'on a reçu la semaine dernière, En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, et ensuite Les Bienheureux de Sofia Diama. C'est ça, et juste avant, il y avait À mon âge, je me cache encore. Exactement, qui est sorti aussi en 2017. Donc il y avait 4 films. Ouais. Et parmi ces 4 films, il y en a quelques-uns, j'imagine, que tu as fait, que tu as tourné en 2016. C'est ça, le truc. Ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pas aussi rempli que ce qu'on imagine. Ça laisse le temps de respirer, de faire d'autres choses. Mais moi, ce qui m'a agréablement surpris, je vais rester sur 2 des 4 films. C'est même le film de Rihanna, pourquoi pas, mais c'est vrai que je l'ai. On va dire celui de Karim Moussaoui, celui de Sofia. Ce sont des cinéastes qu'on a très vite calibrés, nouvelle génération, nouvelle vague, je ne sais quoi. Mais c'est vrai que ce sont des cinéastes qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans et qui maintenant font des films. Et je suis content de voir que toi aussi, tu es dans ces films-là. Ça veut dire que généralement, qu'on fait appel à toi. Que ces gens-là aient besoin de toi et que tu sois dans leur film et pas forcément pour jouer toujours le même rôle, parce que par exemple prenons on va dire Lola Pater, bon, c'est Nadir la semaine dernière nous disait que le personnage que tu jouais, Rachida, c'était un condensé de ce que tu avais fait avec lui, c'est-à-dire entre Fifi, Sherazade et le personnage dans le harem de Madame Haussmann qui a un dos merveilleux. Voilà, ça m'a toujours marqué. Ça m'a marqué. Mais je vois ça parce c'est que incroyable. C'est pas la première fois que tu m'en parles. Mais oui, non, mais parce que je trouve que c'est excellent. Je trouve que c'est un détail de scénario fascinant. Parce que ils le disent souvent. Et d'ailleurs, à un moment, dans le film, alors tu verras, je le disais à Nadir, notre conversation va être un chaos, mais organisé. D'accord. Donc voilà, okay. N'aie pas peur, on parle de tout, mais t'inquiète pas, tout est savamment organisé. Et oui, parce que dans le film, à un moment, dans l'âme de Madame Haussmann, il se passe que. Tu as épousé un homme qui en fait est bigame, est déjà marié, donc l'autre femme, pas la copine de l'autre femme pour se venger te lacère le dos, donc voilà, bref. Et Lola Pater, Rachida, c'est un condensé de tout cela, c'est un corps, j'ai envie de dire, très apaisé. En attendant les hirondelles, c'est plutôt un corps meurtri. Tu joues le rôle d'une femme qui a été violée lors des années 90, on dit guerre civile, qui a été violée par une horde d'hommes pendant les années noires. Elle a été enlevée et emmenée dans le maquis et violée par cette horde de gars, de terroristes. Voilà, et tu en es ressorti avec un enfant. Voilà, dans le film. Et pour les bienheureux, c'est autre chose. C'est un corps, comment je pourrais dire ça, impatient, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, vous avez vécu avec ton mari les années 90. Vous aviez 20 ou 30 ans en tout cas, et puis maintenant vous avez un enfant, et puis maintenant tu te poses la question de savoir si cet enfant doit rester en Algérie ou il doit partir, ouais. Étudier. Oui, il y a un faux calme, quoi. C'est quelqu'un qui bouillonne intérieurement mais qui ne veut rien laisser paraître, mais à l'intérieur tu sens qu'il y a des tas de choses qui sont en train de... qu'elle a juste envie de faire bouger les choses, et cette comment dire,
cet espace qui ne, où rien ne bouge, où rien ne se passe depuis des années, où elle a l'impression que son fils va être de nouveau pris au piège comme eux l'ont été à un moment donné. Voilà, il y a un bouillonnement intérieur qu'elle ne peut pas laisser paraître. Donc, Est-ce que tu penses que ton personnage est encore amoureux de son mari ? Parce qu'il y a encore de l'amour entre eux. On en a beaucoup parlé avec Sophia et Samy. Je pense, on pensait que oui, qu'il y avait vraiment de l'amour. Il restait l'attachement qu'un couple a pu partager pendant une vingtaine d'années, 20, 25 ans, et avec toute l'histoire d'amour qu'ils ont pu vivre ensemble de façon très forte, avec le fait qu'elle ne soit pas partie pour lui, qu'elle ait décidé vraiment de rester pour lui. Et donc, quelque part, elle lui en veut aussi pour ça. Mais il y a un véritable amour. Je pense qu'ils s'aiment toujours et qu'elle, elle doit être très en colère contre lui, mais qu'elle doit être très attachée à lui aussi. Après, pour le film de Karim, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très, très en révolte et j'ai toujours vécu avec une espèce de bouillonnement par rapport au sentiment d'injustice que je peux avoir. Concernant la condition des femmes, pour moi c'est intolérable. Que des milliers de femmes aient été séquestrées, qu'on ait débarqué dans les villages pour il y a eu évidemment aussi des milliers d'hommes qui ont été tués, mais cette barbarie vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire faire la guerre par en passant par le viol, je trouve que c'est d'une extrême violence, évidemment. Et la façon dont on le fait payer encore plus aux femmes, je trouve que c'est d'une barbarie sans nom. Et je trouvais que la société, en plus algérienne, leur faisait payer encore plus. Il y avait une sorte de double peine. Le gouvernement algérien, la société algérienne s'est très mal comportée vis-à-vis de ces femmes. C'est très mal comporté. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de solidarité. Beaucoup plus de solidarité. C'est indécent la façon dont elles ont été traitées quand elles sont revenues des maquis. C'est indécent les lois qui les ont pas protégées et qui, au contraire, on fait en sorte qu'elles vivent encore, qu'elles continuent de vivre dans un cauchemar. Le fait que les enfants n'aient pas été reconnus, issus des viols ou pas, mais les enfants sans livret de famille, c'est parce que quand on n'est pas marié en Algérie, les enfants issus d'une union où il n'y a pas de mariage ne sont pas reconnus. Donc il n'y a pas de livret de famille. Donc s'il n'y a pas de livret de famille, ils n'ont pas accès à l'école. Tout ça, c'est d'une grande violence. Il n'existe pas. Voilà. Et les choses ont commencé à changer, je crois, en 2010, par la mobilisation des associations de femmes. Donc, voilà. Alors, effectivement, je m'investis beaucoup dans mes rôles. Mais c'est un rôle très particulier. Là, c'était quelque chose qui ne me parlait pas, qui me criait, quoi, à la figure, à la lecture du scénario. Ouais. Mais c'est comment tu approches ce genre de personnage-là ? Est-ce qu'il y a je ne sais pas, comment approcher ce genre de personnage et comment ça se passe aussi avec le réalisateur, la direction d'acteur, d'actrice, pardon, te concernant. C'est vraiment des questions que surtout dans ce film. D'abord, Karim Moussaoui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et en même temps avec qui je ne parle pas beaucoup. On ne s'est pas énormément parlé. On se connaît depuis 2006, puisque j'avais Karim Moussaoui, je l'ai rencontré sur le film de Nadir Moknesh, où il jouait le rôle de mon mari, islamiste. Qui ressemble à un dieu grec. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Et voilà, et c'était une rencontre sans beaucoup de paroles, mais avec un sentiment d'estime, voilà,
et réciproque, je pense. Et puis, après, on ne s'est pas tellement revus. J'avais revu son film. J'avais vu son film. Il avait vu des choses dans lesquelles j'avais travaillé. Les jours d'avant, puis, tu parles des et, jours. Oui, des les jours d'avant. Et puis, on en avait parlé. J'avais dit tout le bien que je pensais de son film. Comme d'ailleurs pour Sofia, c'est des réalisateurs que j'ai rencontrés aussi par leur court-métrage. Ouais. Sofia m'avait proposé son premier court-métrage. Mollement un samedi. Oui, voilà. Et mollement un samedi matin. Et voilà. Et c'est des gens que j'ai vus arriver avec leur beau projet qui n'étaient pas déjà ces premiers longs-métrages qui m'ont proposé. Donc, pour en revenir, et peut-être que je n'aborde pas, je ne réponds pas directement parce que je ne saurais pas te répondre aussi. Pour en revenir à ta question, comment on aborde un rôle, je ne sais pas, je sais simplement que c'est c'est en même temps très 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 simple et en même temps c'est une espèce d'alchimie qui nous dépasse. Et il faut certainement trouver en tout cas la chose dans le personnage, le fil qui va vous relier au personnage, le fil le plus intime et le plus fort, le plus juste et le plus sincère. Il faut vraiment partir d'une vérité. On ne peut pas tricher. C'est ce que je dis dans mes années où j'ai enseigné. Quand on triche, ça se voit. Donc trouver ce fil-là qui va vous permettre de toucher à une vérité, quelle qu'elle soit. Peut-être que pour vous ça va raconter une autre histoire que ce que le réalisateur voulait raconter. S'il le sait pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous, il y ait quelque chose de, voilà, il y ait une vérité à l'intérieur de vous pour que le spectateur ait justement le sentiment que vous ne trichez pas avec lui et donc avec vous, forcément. On est la première personne qui ressent la chose. Donc très vite, tu peux t'adapter à une situation où, par exemple, le cinéaste ne te donne pas beaucoup d'indications, te laisse une totale liberté, ou alors cinéaste te parle beaucoup, parle beaucoup avec toi. J'aime pas les cinéastes qui parlent trop. D'accord. J'en connais, c'est très difficile parce qu'on a besoin d'être dans une bulle, en fait. Et il y a des cinéastes qui viennent, qui vous... Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ont peur aussi, peut-être? Ouais, peut-être, mais enfin, chacun doit gérer sa peur. On a tous peur dans ce métier. Ouais. Mais je comprends. Mais c'est des moments aussi de concentration. Et je sais qu'il y a des comédiens qui savent être comme ça. et puis, ils vous racontent la dernière blague du plateau d'à côté, ou je sais pas. Et puis, ils arrivent et 3 secondes après, ça y est. Ils y sont, quoi. Ils sont dans une... Non, moi, j'aime bien avoir ma bulle et j'aime pas être... Surtout quand c'est des scènes un peu plus... comment dire? Il faut vraiment chercher à l'intérieur de soi. C'est pas une espèce de situation qui décrit le personnage, mais c'est le personnage qui vit vraiment les choses de l'intérieur, quoi. Donc après il y a des scènes qui sont beaucoup plus faciles où c'est des scènes de tous les jours et c'est pas très difficile d'être dans les bienheureux. Est-ce qu'il y a eu des moments où le fil dont tu me parles tu le perdais comme ça d'un seul coup, tu ne voyais plus ce fil? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Il y en a toujours, partout, tout le temps. Mais après, il y a quelque chose qui est assez intéressant quand on le perd, c'est comment on va le retrouver.
Quels sont les appuis pour le retrouver? Est-ce que ça va être avec le réalisateur ou la réalisatrice? Tu lui dis d'ailleurs, est-ce que ça va être... Non, c'est des moments où jamais je vais dire « Ah, j'ai perdu le fil » ou quelqu'un va me dire « Ah, j'ai perdu le fil ». Mais ça va se voir. J'allais en venir d'ailleurs à mes partenaires de jeu. Et parfois, c'est vraiment... Il joue une partie importante dans la façon dont on construit son personnage, parce que ce n'est que du partage et de l'échange. Être en confiance, faire confiance et donner confiance à son partenaire ou à sa partenaire, c'est important, parce que c'est quand même, on n'a pas fait ce métier pour le faire seul, quoi. Si on a fait ce métier, c'est aussi pour partager des moments avec les gens. Moi, j'ai fait un seul en scène, c'était très bien, c'était très confortable, mais j'ai été très très contente de retrouver des partenaires après. Et j'ai réalisé à quel point j'aimais être avec une équipe. Être avec une équipe, c'est important. Il y a des cinéastes qui disent que il se passe des choses lors d'un tournage qu'ils n'arrivent pas à décrire, tellement que c'est comme si c'était une espèce de micro-état, tu sais. Pendant un mois, voire deux mois, il se passe un truc. On est dans un micro-état, c'est le tournage. Il se passe des choses incroyables. Ouais. Il y a des émotions, des sentiments. Alors, et en fonction des névroses des uns et des autres, et si les névroses arrivent à bien se goupiller ou pas, ça peut être explosif comme ça peut être très, très, très calme. Et très serein. Des fois, c'est trop calme. Des fois, on a envie qu'il y ait un fou qui passe par là. Mais des fois, c'est très agréable. Des fois, c'est très, très agréable. Il y a une espèce d'entente à tel point que c'est difficile de se séparer après. Et puis des fois, c'est des métiers où quand même, on est obligé c'est vrai, ce que tu dis est très juste, et l'humain, les êtres, enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Parfois, il y a des gens avec qui on peut très très bien s'entendre, on peut partager des choses très fortes et tout ça, et il y a des gens. Je me rappelle, c'est une amie à moi qui m'en parlait hier soir et qui me disait, tu te rappelles que tu détestais un tel? Je dis, ah bon, mais pourquoi? Et en fait, oui, effectivement, mais mes premières scènes avec cette personne qui date d'il y a une vingtaine d'années, je détestais cette personne, alors que je trouve maintenant que c'est quelqu'un de formidable. Alors c'est très marrant, peut-être que sur ce tournage on avait peur tous les deux et que c'était ça qui faisait que voilà, qu'il y avait c'est aussi on est aussi là pour je suis un peu trop longue. Non, c'est trop contraire. Non, tu rigoles. Je bois tes paroles. Donc on a tendance à oublier, mais être comédien ou comédienne, c'est pas évident. J'ai cette impression-là. Il y a une forme de fragilité qui est assez. Faut faire attention, quoi. Ce sont pas des objets. J'ai toujours. Oui, complètement. Mais je pense que c'est des métiers où il y en a qui ont. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont une grande conscience de ça, justement parce que eux-mêmes ont une fragilité. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont eux-mêmes fragiles, mais qui n'en ont rien à foutre de la fragilité de ce moment-là de jeu. Parce que, en fait, c'est vrai que quand on est
face à la caméra, on peut se dire la caméra c'est une machine à laver et on n'en a rien à faire de ce qu'on a en face de soi, on est complètement dans la scène et tout ça. Et parfois non, c'est pas juste une machine à laver et c'est aussi un autre personnage encore avec lequel on joue, tout dépend du parti pris ou du besoin ou du moment. Si elle est trop encombrante, et ben on se dit que c'est un objet quoi, et qu'il n'y a rien d'autre que cette utilité-là, et sinon on la prend à bras le corps et elle fait partie à part entière de la scène. Et du coup, ça peut créer aussi des fragilités pour peu qu'il y ait une timidité chez les uns ou chez les autres, parce que c'est quand même un moment d'intimité. De création qu'on partage ensemble et ça peut être difficile de se dévoiler comme ça ou pour peu que ça touche à quelque chose de où le personnage finalement rejoint quelque chose de fragile en soi. Ouais. À un moment donné, ça peut être ça peut l'être, ou parfois ben pas du tout. Parfois on est juste dans un moment de bonheur et de grâce de partager quelque chose d'aussi fort avec cette petite troupe d'un moment de vie très fort. Je pense que les moments où on se sent le moins fragile, c'est probablement les moments où c'est pas forcément quand on tourne une comédie ou qu'est-ce ou quoi, ouais. Ça peut être une grande tragédie, mais c'est les moments où on se sent comme une troupe de théâtre, où on partage vraiment beaucoup de choses à l'écran comme à la ville. C'est... Voilà. Et autant que tu t'en souviens, t'as toujours, c'était toujours quelque chose qui... Dans ton enfance, dans ton adolescence, l'envie de jouer, l'envie de composer, c'était quelque chose qui était là depuis le début ou c'était peut-être l'écriture, peut-être ? Peut-être l'envie de faire partie d'une joyeuse troupe. Ouais. J'avais commencé au théâtre, au conservatoire d'Elbiar, et en fait je prenais des cours de danse. Ma mère m'avait inscrite à la danse à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'en pouvais plus, j'aimais pas ça, mais bon. Pourquoi elle t'obligeait à faire de la danse ? Alors, c'est ma grande question. Pourquoi ? Et surtout de la danse classique. Moi, j'aurais aimé faire de la danse moderne ou de la gymnastique artistique ou des choses comme ça. Mais de la danse classique, c'était d'une grande rigueur. Et je pense que ça a développé un petit côté anarchiste chez moi. Parce que la rigueur a le bol, quoi. Il y avait quelque chose de... Voilà. Mais ça t'a aidé pour plus tard, ça ? À part cette rigueur, cette espèce d'anarchiste, comme tu dis. Oui, il y a une grande rigueur dans l'anarchisme aussi, mais est-ce que ça m'a aidé? Je sais pas. J'en ai pas conscience. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont aidé, mais peut-être pas. Je sais pas. Mais elle a vu en tout cas, elle a vu en toi qu'il y avait quelque chose à faire. À mon avis, elle était dans les années 50-60 à Paris, et c'était l'époque de la grande mode de l'opéra de Paris avec les danseuses étoiles et des choses comme ça qui devaient passer à la télé. Et peut-être qu'elle a eu cette image de voilà, et que mais j'en sais rien, je sais pas. Mais en même temps, il y avait un truc de tu commences quelque chose, il faut le finir. On commence quelque chose, il faut le finir. Tu peux pas le finir toute ta vie, quoi. Mais c'était drôle. Il y avait quelque chose de drôle comme ça, finalement. Mais ce qu'il y a, c'est que ça développe aussi un instinct de survie à ça. Parce que moi, j'ai dit OK, j'y suis allée. Et puis à 13 ans, il y avait un cours de théâtre à côté. Il manquait des filles. J'ai dit, mais moi, je veux bien venir. Et ma mère n'était pas au courant. Donc je suis allée au cours de théâtre chez un prof de théâtre à côté qui s'est arrangé avec le prof de danse. Et donc, tu faisais croire à ta mère que tu allais à la danse ? Oui, que j'allais à la danse et j'allais au théâtre, au conservatoire.
Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé au théâtre. Elle a fini par le savoir et elle en a ri. Ça l'a fait rire. Elle m'a dit, ah bon, c'est comme ça. On t'envoie à la danse, tu vas au théâtre. C'est quand même très surréaliste. Hein, quand même. C'est comme, on t'emmène à l'école et en fait, tu sèches la danse pour le théâtre. C'est ça, ouais. C'est pas grave en même temps, j'ai envie de te dire. Tu sèches pas l'école, quoi. C'était pas très grave. Enfin, c'était pas très grave. Pour moi, c'était grave parce que j'avais peur d'être prise en faute et tout ça. Mais elle a pas, comment dire, elle m'en a pas tenu rigueur. Ça l'a fait rire. Ouais. C'était pas. Puis après. Et le théâtre, ça a été tout de suite. Là, tu t'es sortie chez toi. Mais j'étais contente, je pouvais bouger comme je voulais, quoi. Voilà, c'était une grande liberté aussi dans le corps. Et puis, même si je trouvais parfois que, voilà, les textes n'étaient pas toujours extraordinaires. C'était quelle période et c'était quel genre de texte ? C'était dans les années 80. Ouais. Et c'était un texte écrit par le prof de théâtre et on devait jouer. C'est pas grave parce qu'il y avait quand même aussi cette liberté de se dire ah ben. Il a voulu écrire un texte, il a écrit un texte, c'est bien, on le lui joue, c'est pas grave. Ouais. C'est pas très très bien écrit, mais on peut faire ça. Et c'est de se dire, c'est possible. Peut-être que si on m'avait ramené Brecht tout de suite, j'aurais eu très peur parce que j'aurais sacralisé l'écriture. Tandis que là. Et c'était en français ou c'était en arabe algérien C'était en arabe algérien, okay. C'était en arabe dialectal. Et on avait joué ça dans un hôpital. La première fois qu'on avait joué ça, c'était dans un hôpital. Et on ramenait. Mais c'est, en même temps, c'était formateur. Mmh. C'était formateur parce que j'avais un trac fou. On avait un trac fou. Et puis, c'était des personnes handicapées qu'on était chargé de ramener avec. Il y en avait qui étaient paralysés et qu'on ramenait avec leur chariot pour qu'ils assistent à la représentation. Alors c'était encore plus, t'es confronté au handicap très lourd et puis en même temps tu dois leur livrer quelque chose de beau, quoi. Ah tu oui. peux pas, t'as pas le droit de. Donc c'était voilà, ça a été la représentation qui m'a marquée. Alors c'est bon, et puis après, j'ai pas continué beaucoup d'années là-bas, mais c'était l'élément déclencheur, on va dire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que quand est-ce que tu commences à approcher, on va dire, le milieu du cinéma là-bas en Algérie ? Il y a un film qui a ressurgi comme ça sur YouTube récemment, ouais. Dans lequel tu joues avec Hamidou. Qui n'est pas sur ton CV d'ailleurs. Alors je sais pas s'il est. Mais il a ressurgi comme ça. Moi, ouais. Je pense que beaucoup de personnes ont découvert ce film et oui, c'est très drôle. C'est très rigolo. En plus, j'étais maquillée comme c'était. J'étais encore au lycée. J'étais D'accord. maquillée comme une nana de 40 ans. Enfin, je veux dire, j'avais un truc, une couche de non, maquillage c'était... comme ça. Et c'était. Ça va être une bonne expérience de bossure parce que vraiment, c'est. Comment dire, c'était une bonne expérience parce que c'était plein de choses. C'était une bonne expérience parce que Rabah Boubra, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais. C'est un réalisateur qui comme d'ailleurs Ali Mouzaoui, ils avaient fait leurs études à Kiev. Donc à l'époque, on envoyait le gouvernement algérien envoyait des étudiants pour faire des études de cinéma en ex-URSS. Donc ils avaient une formation solide. Ils savaient ce que c'était l'image, la mise en scène, l'espace. Scénique, voilà quoi, le découpage, le montage, voilà. Et puis c'était quelqu'un de,
Il est parti à Montréal maintenant, mais c'est dommage. C'est dommage. Mais comment tu es tombée sur ce film-là? C'était un casting? Alors, ou comment ça c'était pas un casting. J'avais d'abord tourné avec Ali Mouzaoui, donc ce réalisateur aussi qui était à Kiev, et là aussi j'étais toujours au lycée. J'étais en première, je crois. Oui. J'étais en première. Et l'été d'après, je tourne avec... l'année d'après, j'étais en terminale. Et je tourne avec... Et donc, Boubra, c'est venu sur le plateau de tournage de Ali Mouzaoui. Donc, c'est avec Flag. Et donc, il cherchait deux jeunes comédiens. Et puis, voilà. Et donc, Boubra, ça arrive. Et très peu de temps après, il me dit, voilà, j'aimerais tourner un film avec Hamidou et toi. Donc, on s'est rencontrés tous les trois. Voilà, c'était sympa pour une première expérience, mettre le pied à l'étrier de cette façon. Mais tu y croyais? Tu étudiais ça très sérieusement? Ou c'était... Est-ce que tu étais encore sûre exactement de ce que tu voulais faire? Non, parce que très peu de temps après, je me suis dit, mais moi j'arrête, je ne fais pas ce métier, ce n'est pas possible. Métier de comédienne, c'est ça? Oui. Puis je me suis dit, non, mais en fait, ce ne sera pas au cinéma, moi je vais plutôt faire du théâtre. Et puis ensuite, je me suis dit, non, je vais faire des études parce que ça ne va rien m'apporter, il y a très peu de réalisateurs, et puis des réalisateurs qui ont de beaux projets. Il y avait la censure, il y avait beaucoup de choses qui faisaient... C'était un parcours semé d'embûches quand même, hein, le métier de réalisateur et tous les métiers qui... ouais. Tous les métiers qui sera liés à ce métier-là, tous les corps de métier, c'était difficile de porter un projet et de le mener à bien avec tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, que ce soit au niveau de la censure, au niveau du financement, au niveau de la formation, et encore à l'époque peut-être les réalisateurs étaient mieux formés parce qu'ils allaient à l'étranger, ils avaient cette possibilité-là, et les techniciens aussi, il y avait quand même des possibilités plus... Il y avait encore une industrie, on va dire. Il y avait une industrie, entre guillemets, mais bon, une industrie au salaire, ça donne quoi? C'est ça le problème, c'est que c'était une industrie au salaire. Les réalisateurs étaient salariés, qu'ils créent ou pas. C'est tout le questionnement par rapport à... Comme le théâtre, d'ailleurs, il y avait ça aussi. Il y avait beaucoup de comédiens qui étaient salariés. Donc voilà, c'est normal qu'on se questionne sur comment on peut arriver à un processus de création quand on est salarié. Et en même temps, tout le monde devrait avoir un minimum vital pour pouvoir créer dans de bonnes conditions. Mais il ne faut pas que ce soit un objet de chantage à la non-création, pas à la création, mais justement à ce que sa création ne soit pas dérangeante. Ça a toujours été l'enjeu, quoi. En Algérie, en tout cas, la création a toujours dérangé partout. Mais dès que la création vient titiller le pouvoir ou remettre en question un système, forcément elle dérange, pas qu'en Algérie, mais... Tu étouffais, toi? Tu commençais un peu à étouffer? Moi, j'étouffais par cette problématique de manque d'horizon. J'étouffais parce que j'étais une femme et que, et que c'était difficile d'être une femme en Algérie et qu'on a beau... ça reste difficile d'être une femme en Algérie, ça on me l'enlèvera pas de l'esprit parce que d'abord j'y retourne régulièrement et qu'en plus j'ai le témoignage de toutes les personnes qui y vivent et que voilà la difficulté d'être une femme en Algérie reste la même, quoi, quelles que soient les époques qu'on a pu traverser. Donc ça change pas, c'est au moins une constante. Donc ça m'a énormément pesé. Ça m'a énormément pesé parce qu'il y avait aussi, par contre, ce qui change maintenant, c'est que les femmes ont plus la possibilité de se défendre. Et c'était pas le cas avant. C'était d'une violence et d'une humiliation extrême parce qu'on savait pas dire que c'était du harcèlement. On n'osait pas le dire.
Par exemple, le harcèlement dans la rue était quelque chose de très commun. Et on n'osait pas dire ça, parce que d'abord, quelle humiliation extrême de dire je passais dans la rue, on m'a touché les fesses. C'est une atteinte à sa dignité. Et en même temps, toutes les femmes ont subi ça. On a susurré des mots dégueulasses dans l'oreille. Et voilà, et c'est le quotidien des femmes. Et ça devrait être interdit. Mais ça l'est encore d'ailleurs. Oui. Donc ça devrait pas être quelque chose qui ne vous révolte pas. Parce que si on n'est plus révolté de ça, ça veut dire qu'on est prêt à laisser sa dignité se faire piétiner. C'est pas normal. Il faut que les gens soient en colère de ça. Il faut pas que les gens acceptent cette situation. Il faut qu'il y ait tout le temps de la colère par rapport à ça. C'est une façon de reconstruire sa dignité si elle a été entamée ou touchée. C'est une façon de résister, de lutter et d'être en vie. C'est important. Est-ce que pour toi, pardon de revenir, revenir à ça, mais est-ce que pour toi c'était plus simple d'être comédienne à la fin des années 80 en Algérie qu'aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on a quelques exemples comme ça de comédiennes en Algérie où ça reste très compliqué d'affirmer, d'assumer son corps en tant que comédienne. Là, mais bien sûr, parce que le corps est un élément important de ce métier. Oui. Donc, et le corps est toute la problématique. De ma société que je connais, donc je vais parler de l'Algérie, mais peut-être dans beaucoup d'autres sociétés. Mais moi, je trouve que c'est ça qui t'a. Si je peux me permettre, je trouve que c'est ce qui fait ta force, en fait, en tant que comédienne, c'est que j'ai toujours vu en toi une comédienne, un être humain, une femme, et une comédienne qui assumait son corps et qui donc se permettait de jouer normalement des personnages. Mmh. Et pardon de t'intégrer dans le milieu du cinéma algérien, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est que j'ai l'impression que dans le cinéma algérien, c'est très compliqué de voir, mais aussi des comédiens assumer leur corps. Mmh. On a l'impression que ce sont des figures monolithiques, tu sais. On a l'impression qu'ils ne jouissent pas, qu'ils sont pas faits de chair et d'os, c'est des personnages. Et tu es une des rares comédiennes, que cela soit de ta génération, mais même aussi de toute génération confondue. Merci, je suis touchée, confuse, c'est pas évident non plus, c'est pas quelque chose. C'est là où je voulais en venir. C'est pas quelque chose d'inné. Moi, j'ai eu conscience et en même temps pas conscience. C'est ça le truc. C'était compliqué de structurer ça dans le schéma, mais psychologique, pas que corporel, quoi. C'est quoi le corps? Alors, est-ce qu'on est défini que par le fait qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme en Algérie? Et est-ce que on doit faire que le cacher pour pas avoir de problème? Donc voilà, j'ai traversé toutes sortes de périodes avec la problématique du corps, est-ce que ça a déclenché en Algérie, avec une révolte constante, mais heureusement, finalement, une révolte partagée, parce que c'est difficile de porter soi-même sa petite révolte. Ma mère a essayé en même temps de nous protéger de ça, et en même temps, elle-même était très, très remontée contre ça. Ma mère, en plus, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce que c'était une femme qui était pratiquement analphabète, mais qui était très, très remontée et pas du tout soumise au diktat de ce système. Mmh. Et peut-être c'est la première personne qui nous a fait prendre conscience des injustices qu'il y avait à ne pas accepter. C'était ça. Non, on n'accepte pas. C'est pas possible. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas accepter? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas accepter dans une société où on vous laisse très peu de place, où il y a une forme de mise à... on vous impose une certaine soumission.
Et voilà quoi. Donc voilà, j'avais des sœurs aussi qui étaient bien, bien remontées. Tu étais dans une joyeuse troupe. C'était une joyeuse troupe. Ça aussi. Voilà, c'est ça. Oui, mais il faut, sinon, ça vient pas tout seul, j'ai envie de te dire. Il sait qu'il y a quelque chose derrière. Il y a la famille aussi qui suit, ouais. qui t'aide aussi. À... Non, mais la famille me suivait pas dans l'espace public. Et l'espace public, oui, moi, je devais l'affronter et apprendre à on est tous obligés d'apprendre à développer nos défenses par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on insulte, on ignore, on sort plus, on ressort, on réinsulte, on se repose. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est cette grave situation qui t'a poussé, motivé à te... complètement. À être comédienne, dire plus je fais de films, c'est une façon aussi pour moi de répondre à ces imbéciles, contre ces imbéciles. Ça, je pense que ce qui a provoqué en tout cas cette espèce d'état où tu finis finalement par te dire mais que faire d'autre, je me vois pas en train de faire autre chose, comme si c'était une évidence, alors que bon, il y a tellement de choses passionnantes dans la vie ça c'est sûr, ça a dû beaucoup contribuer. Ce qui a dû beaucoup contribuer aussi, c'est le fait aussi de se réapproprier son image de son corps. L'image de son corps. On vous impose une image du corps, et ben non, moi je vais en faire ce que je veux. L'image de mon corps, elle est à moi, et je vais en faire ce que je veux. Et je vais la montrer comme je veux, cette image. Et si j'ai envie de la déformer, je vais la déformer. Mais si j'ai envie de la... Voilà, c'est une façon aussi de pas les laisser vous prendre votre corps, quelque part. Mais il y avait certainement pas que ça. Il y avait certainement une envie de réparer aussi quelque chose de la façon dont eux, ils ont abîmé ce corps aussi. Alors tout ça n'est pas, finalement, est très complexe, n'est pas si simple, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez basique, comme dirait l'autre. Tu savais qu'elle était là. Tu peux pas rester ici. Je fais ce que je veux. Sakina, qu'est-ce qui se passe? C'est toi la maîtresse de mon mari? La maîtresse de ton mari? Tu me prends pour qui? Pour une pute! Sakina, je suis une femme mariée, moi! Mais la femme de qui? Mais la femme de qui? La femme de Aïtsemi Mohand, alias Mimich! Voilà mon livret de famille! J'ai même un fils avec lui! Mais voilà! Si tu avais reconnu la première femme de ton mari, pourquoi tu es restée? C'est pas de ma faute si son mari lui a rien dit! Et puis je voulais pas gâcher la fête! C'est déjà gâché! Salope! Je vais te faire bouffer! Laissez-moi la tuer! La tuer! Calme-moi ce monstre! Et toi, tu peux pas rester ici! J'attends mon mari! Laisse la main. Musique, maestro! Il ne reste plus qu'à nous faire attaquer par les barbus! Et on aura gagné le gros lot! Ne vous inquiétez pas, l'armée nous protège! On veut me tuer! Des terroristes? Vous devez faire partie de la fête! Ils veulent me tuer, la voiture derrière! Mais vous ne pouvez pas rester ici! Vous voyez bien qu'on a un enfant! Vous descendez! Non, on va tous se tuer! Mais ça, c'est pas vrai! Il va me tuer! Arrête la voiture! On va tous se passer à côté! S'arrête! C'est sous la dent! Comme ça, on va partir! Sous la dent! Vous descendez! Mais vous êtes mort! C'est une caméra, les enfants! Oh là là! Attendez! Rends-moi ça! C'est incroyable! Attends. C'est moi qui lui ai demandé! Mais il y a longtemps, je pensais pas qu'il s'en souviendrait! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pour t'avoir toujours avec nous! Tu vas savoir t'en servir? Tu me prends vraiment pour une idiote! Bonjour, je suis de la PMI. La PMI, oui, il manquait plus que ça. J'ai pas été assez claire avec Madame Duhem? Alors, attendez, non, c'est vous qui allez m'écouter. Je ne mettrai pas un pied dans cette école tant qu'on n'aura pas abordé les vrais problèmes. Je suis désolée, au revoir. Je vous préviens, si vous me reclaquez la porte au nez, je sonne jusqu'à 5h de l'après-midi, même après.
Je sais qu'on vous a raccroché au nez. Je sais que c'est une erreur inadmissible. Mais ça ne vous autorise pas à jouer les Rambo. Surtout avec un balai. Et puis je crois que vous avez besoin d'un coup de main, non? Je suis Samia Damouni. Je suis péricultrice. Qu'est-ce qu'il y a, René? Vous avez changé d'avis? On fait demi-tour? Non, mais au moins... Au moins quoi? On aurait pu s'arrêter pour acheter le Viagra. Le Viagra, c'est sur ordonnance. On n'a pas le temps d'aller voir un autre médecin. Ils attendent la camionnette au foyer. Peut-être que pour la première fois, il suffit juste de parler un peu avec elle. Faire connaissance. Après, vous pourrez... Elle s'appelle Florelle. C'est joli comme nom, Florelle. Je lui parle juste, alors. Mais ça vous coûtera 400 francs. 400 francs? Juste pour parler? Ça, je voudrais bien voir. Et quand tu quittes le pays, quand tu quittes l'Algérie pour venir vivre ici en France, est-ce que tu sens que tu auras plus de possibilités d'aller jusqu'au bout ailleurs qu'en Algérie, par rapport à tout ce que tu viens de me dire? C'était la résultante logique, quoi. C'était la continuité logique de... Oui et non, parce que c'est vrai que le théâtre, le cinéma ne me suffisait pas. C'est vrai que j'avais aussi besoin d'écrire. C'est vrai que... Mais oui, c'était une suite logique. Arriver en France, c'était pas seulement pour être comédienne, parce que je me disais que ça va être difficile d'être comédienne en France. C'était aussi pour plus avoir à subir les pressions qu'on peut subir en Algérie. Donc ça, c'était, pour moi, c'était important, parce que je suis passée par plusieurs étapes en me disant partir d'Algérie, c'est quand même trahir. Partir au moment où ça se passe mal, c'est pas... Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je me suis posé la question pendant quelques années. D'ailleurs, je suis partie un an, je suis revenue. Et après, je me suis dit non, mais je n'ai pas à me sacrifier. On n'a pas à se sacrifier. Voilà, c'est tout. C'est, en tout cas, en ce qui me concerne, chacun fait son propre choix. Et moi, j'ai envie de ne pas me sacrifier. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont sacrifiés autour de moi et j'avais pas. Donc, j'avais pas envie de ce sacrifice. Ça rejoint un petit peu ton personnage dans les Bienheureux. Hein. Ouais. J'ai eu une vraie bouffée de bonheur physique à Paris, dans Paris, en me baladant dans Paris. Ça, je le raconte très peu, mais je trouve que c'est important de dire ça, parce que en me penchant sur un pont et en regardant la Seine, une vraie bouffée de bonheur physique. Ça m'était jamais arrivé comme ça, de me dire tiens, c'est bizarre. Et tout de suite après, je repensais à l'Algérie, à ce que les gens vivaient et tout ça, et j'ai eu une grande culpabilité après. Et ces petits moments-là, ils vous marquent. Ils vous marquent à vie. Et tu écrivais beaucoup à ce moment, durant cette période-là? Parce que on va parler aussi un peu de ça, d'écriture, mais ça t'a toujours accompagné, l'écriture, finalement? L'écriture, oui, ça m'a toujours accompagné, sans pour autant que ce soit, c'était pas pour moi une absolue nécessité de faire éditer, mais par contre, c'est vrai que ça m'a toujours accompagné. Après, j'ai des longues périodes où j'écris pas aussi, et c'est pas plus grave que ça, mais c'est vrai que c'est pas plus grave que ça. Ça reste grave un peu pour moi intérieurement, parce que ouais. Je sens que j'ai besoin de ça. J'ai ce besoin, mais voilà quoi. Le projet avec Merzak Alouache, Babeloued City, une des premières expériences de cinéma. Le Passager, début de saison, c'était de la télévision. D'accord. De cinéma. Il y a eu aussi un court-métrage, je crois, de La fin des jeans, chez Fagoun. Chez Fagoun, c'est chez Fagoun, d'ailleurs, qui était assistant réalisateur sur début de saison
Et, oui. Et qui t'a repéré entre parenthèses. Exactement, ouais, tout à fait. Et qui t'a fait jouer dans ce court-métrage. Je crois que même qu'on dit que c'est le premier film en langue amazir, il le dit souvent, Chérif. Mais il le dit souvent, il a raison, c'est le premier. Oui. C'était très drôle le tournage de ce film parce qu'il a été écrit en français, comme on écrivait tous les scénarios à l'époque, et il était censé être tourné en arabe. Et il y avait. Le régisseur général qui était là aussi pour surveiller le bon déroulement du tournage et qui avait rien vu, qui avait pas vu que le film se tournait en kabyle et que les dialogues se faisaient en kabyle. Il était très occupé à aller courir les sourkelfilaires parce qu'il faisait des trucs de... Il rachetait des appareils ménagers, des frigos, des machines à laver qu'il revendait après, comme on tournait ça à Bougie, qu'il revendait après à Alger. Et donc, il n'a rien vu, le pauvre. Je pense qu'après, il a dû se faire incendier par ça. Et donc c'est une bonne expérience. Et quand tu tournes Babel Wat City, tu ne vis plus en Algérie ou, J'étais en train de partir. J'étais de partir. À cheval entre les deux. D'accord. C'était pas encore complètement réglé l'histoire des papiers, etc. Quoi. Mais ça a été une expérience compliquée. Ce tournage. Je sais que ce tournage a été très 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 compliqué. Ouais. Merzak m'en a raconté comme ça quelques. Mais lui, il me l'a raconté en point de vue du metteur en scène. Et ouais. Toi, en tant que comédienne, c'était comment ce tournage? Si je me trompe pas, il y a très très peu de scènes. Tu as très peu de scènes extérieures, je crois, concernant. Je crois qu'il est sur la terrasse, enfin sur le balcon. Je sais plus, mais je m'en rappelle oui, plus. Oui, il y avait une scène dans le cimetière. Il y avait une scène dans le cimetière. Je crois que c'était le cimetière de Qattar, d'ailleurs. Oui. Et je m'en souviens parce que toute ma famille est enterrée au cimetière de Qattar. D'accord. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas eu beaucoup de scènes. Moi j'ai ressenti simplement l'urgence et la rapidité du rythme. Mais en même temps, je retournais, j'allais dormir dans ma famille. T'étais en transition, enfin en transit, on va exactement. Dire. Comme si dans un aéroport, tu attends le prochain avion. C'est, et entre-temps, tu fais un film. Et entre-temps, je fais un film. Ça doit être bizarre comme sensation à ce moment-là, de vivre ça. En fait, je me suis rendu compte qu'on était un certain nombre dans cette situation. Parce que Hassan, qui a joué le Mitron, c'était pareil. Mohamed Wardesh, c'était pareil. Donc, de cette génération, à peu près, enfin, globalement, on est tous partis, quoi. Et on est partis à cette époque, tous. Donc, voilà. C'était... Non, mais moi, ce qui était bizarre, c'est que surtout, je m'étais fait voler mon passeport à la plage. Et que... ça a été un très, très, très mauvais quart d'heure pour moi. C'était surtout ça qui m'a le plus traumatisée. Sur toute l'histoire du tournage, ce qui m'est resté, c'est cette histoire. C'est vraiment le passeport. Le passeport. Et là, j'ai réalisé à quel point le passeport, c'est précieux, quoi. Avoir la possibilité de partir et de revenir comme on veut et pas voilà quoi, c'est précieux. Les êtres humains devraient se déplacer à partir de quand exactement tu as commencé je ne veux pas dénaturer les premières choses que tu as faites avec les premiers projets que tu as eu, mais à partir de quand exactement? Moi j'ai une petite idée mais je sais pas si elle est bonne. Où là, tu t'es sentie pleinement comédienne et tu étais en train, tu poursuivais un but et à partir de, comment dire, de quel film ça a commencé vraiment, où t'as senti qu'il se passait quelque chose et... Alors ça m'intéresse de savoir toi quelle idée tu as. Ben, je sais pas, moi je pense que le tavernier il est important pour toi, le tavernier. Ça commence aujourd'hui. Oui, le tavernier. Il y a les suspects aussi, mais je sais pas, je trouve plus, j'ai plus l'impression. Alors les taverniers, ça commence aujourd'hui de Bertrand Tavernier, mais il y a celui-là, mais il se chevauche. Je ne sais pas s'il arrive avant ou après le harem de Madame Haussmann. Le harem de Madame Haussmann arrive après. Après, voilà. Ouais. Donc c'est le Tavernier, parce que c'est quand même un rôle très particulier, celui que tu as dans le Tavernier. Je l'ai vu au cinéma d'ailleurs, pour la petite anecdote.
Et je sais pas, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire à ce moment-là, peut-être. Mmh. Peut-être entre le moment où tu arrives ici, où tu t'installes, où tu commences, et ce moment, et ce film-là, c'est les quelques années qui se sont écoulées. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Alors peut-être que je me trompe, je sais pas. Je sais pas. Moi, je m'en rends pas bien compte. C'était en tout cas une. C'est vrai que il y avait, c'était en tout cas le début du cinéma professionnel, quoi. Ouais. Où c'était pas des bouts de chandelle, c'était un vrai tournage dans le sens, c'était du vrai cinéma professionnel. Ça a été dur entre-temps, là. Là, j'ai assisté à, voilà, qu'est-ce qui était dur, l'adaptation entre... je dis pas dans la vie de tous les jours. Oui. Ça, c'est privé. Professionnellement, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été évident pour toi de pouvoir jouer comme tu l'entendais? Non, en fait, j'ai rapidement réalisé que ça allait être difficile à partir du moment où on me renvoyait à des choses... soit entre guillemets d'arabe de service, soit on me disait que j'étais pas assez mate pour jouer des rôles de maghrébine, soit pas assez française. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une place, il faut que je trouve ma place et il faut pas qu'elle soit, il faut que ce soit un endroit singulier. Où je me place, parce que c'est vrai que dans la profession française, les gens manquent d'imagination. Il y a un racisme. Les gens sont racistes. Moi, j'ai tendance à dire que naturellement, l'être humain est raciste et qu'après, il faut qu'il se batte contre ça, peut-être. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque d'imagination, il y a quelque chose de cet ordre-là, et donc il faut convaincre. Moi, convaincre, je sais pas faire. Donc il va aller vraiment que je trouve quelque. Je sais pas faire, je sais pas taper aux portes, je sais pas demander les numéros de téléphone, écrire des mails, tout ça. Je me dis que c'est un autre métier encore. Ça s'appelle agent, et qu'ils sont payés pour ça et que voilà. Et donc voilà. Mais j'allais te dire, mais Nadia, on te voit. Pourquoi on te voit pas si souvent au cinéma français? Je t'assure, je voulais te poser cette question. Pourquoi? Non, mais je te le dis en toute sincérité. Même maintenant. Ouais, non, mais... voilà, après, il y a des choses aussi... quelques expériences, certes. Je pense à Sinapil ou à Tavernier, mais... Ouais. Il y a des choses aussi que je sais pas encore faire. Je sais pas encore... je sais pas encore me vendre. Je sais que les comédiens savent... apprennent à faire ça. C'est un apprentissage. Donc voilà, je sais pas. Il y a une forme de timidité aussi par rapport à ça. Et il y a une forme de non-envie de faire ça. Par ailleurs, j'ai été un peu échaudée par ces réactions de racisme qui ne disaient pas son nom et de manque d'imagination. Où je me dis, bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas cette niaque qui fait que on a l'impression qu'on doit jouer ou mourir. Moi, je me dis qu'entre les deux, il y a aussi possibilité d'avoir une jolie vie, quoi. Mmh. Et que jouer, c'est pas faire n'importe quoi. Et j'ai envie de faire des rôles qui me plaisent, parce qu'il y a aussi quand il y a des rôles qu'on me propose. Que voilà, c'est pas que le scénario, parfois le scénario est bien écrit, les personnages sont jolis, mais ça me parle pas. Et ça, je sais pas faire non plus. Voilà, après, il en pleut pas des scénarios comme ça. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles, dire non. Et ne pas tourner et continuer sa période d'abstinence, ou dire oui et faire un truc qui va peut-être pas
te convaincre toi-même, quoi. C'est, Et Tavernier, c'était sur un casting ou c'est lui qui est venu te... Non, c'était sur un casting. C'était sur un casting. Ouais. C'était sur un casting. C'était sur un casting, c'était des essais, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas 50 000 comédiennes. Et c'est vrai que je n'avais jamais fait des essais comme ça, parce que c'était des essais longs quand même. Donc... Et comment ça s'est passé le tournage? Je suis très curieux de ça parce que je sais... C'était... On était à Valenciennes, on tournait à Valenciennes. Et donc moi, j'avais une quinzaine de jours de tournage. Et je venais 3 jours par semaine, les 3 derniers jours de la semaine avant qu'il close la semaine. Voilà quoi, c'était Tavernier, c'est un réalisateur qui est très à l'écoute et qui laisse les comédiens travailler la scène dans l'espace de jeu avant que le chef op n'arrive avec son matériel. Et donc c'est les comédiens. C'est très intelligent de sa part. Et je pense que beaucoup de réalisateurs devraient s'en inspirer. C'est les comédiens qui font la mise en déplacement et donc la mise en scène en ce qui concerne les déplacements. Et forcément, les comédiens trouvent le déplacement juste parce que c'est le déplacement qui leur convient le mieux. Ça, c'est hyper important. Et après, lui, il adapte avec la caméra. Il adapte. Et il a son film, il a sa scène. C'est juste faire confiance à la sensibilité du comédien. La séquence de la boîte de nuit, c'est très assez rapide où on te voit d'abord avant dans ton lieu de travail. On a tendance à croire que t'es pas forcément quelqu'un de très gentil, mais après on comprendra plus tard pour quelle raison. En fait, tu es quelqu'un d'extrêmement gentil, mais voilà, la vie n'est pas beaucoup plus compliquée. Qu'on le croit. Et puis il y a cette petite scène dans la boîte de nuit, ça m'avait marqué à l'époque où tu te défoules. Ouais. C'est toi qui choisis à ce moment-là ton déplacement, c'est toi qui. Ouais. Mais ça a dû être un bouffé d'air frais pour toi, ça. Non, c'était très agréable. Et après, quand j'ai la possibilité de conseiller à certains réalisateurs d'adopter la technique, j'y vais quand, comme ça, à l'occasion, on en parle. Je dis que le mieux, c'est de nous laisser faire, parce que c'est quand même une bonne école, ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne école. Pardon de faire la comparaison, mais entre ce que tu as vécu ici en tant que comédienne et ce que tu as vécu et tu vis là-bas encore en tant que comédienne dans certains films algériens, la direction d'acteur, elle est différente? Ou c'est... Chaque cinéaste a sa façon de... Non, en fait, chaque cinéaste a sa façon d'essayer d'exprimer. Et du coup, c'est l'humain qui ressurgit, c'est l'humain qui est dans le cinéaste, quoi, qui exprime ça. Et chacun essaye avec ses outils, quoi. Et il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent très très peu, il y en a qui donnent juste des mots-clés, il y en a qui parlent pas du tout. Tout dépend de sa nature. Mais toi, tu t'adaptes à tout ça. Oui, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je me dis, avant tout, avant de se dire c'est le réalisateur, ou c'est la réalisatrice, ou c'est la scène, ou c'est le ci, ou c'est le ça, c'est un être humain qui essaye de... communiquer. Et donc, à partir du moment où on a accepté qu'on était multiples et en même temps très différents et en même temps tous un peu pareils, dans nos craintes et nos envies et nos désirs et nos choix, etc., on arrive à se parler, c'est pas grave. Parce que j'ai discuté avec certaines comédiennes algériennes qui me disaient qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Elles étaient beaucoup plus, elles, en attente de dialogue avec... Et c'était très compliqué, souvent, de... Parce qu'elles n'avaient pas ça. Et qu'elles avaient envie de dialoguer, donc... Ah oui. C'est-à-dire que les comédiennes, peut-être parce qu'elles sont jeunes. Peut-être. Je ne suis pas posé cette question-là. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a besoin.
quand on est jeune, on a besoin. Moi, je me disais, je disais, l'autre fille Bouchouchi était réalisateur, assistant réalisateur sur le film de Mirza Pahlavi. Et l'autre fille Bouchouchi, je lui disais, mais... pour Babelwood City. Je lui disais, mais il vient jamais parler aux comédiens, parce qu'il nous dit rien. C'est quoi, il pense quoi, et tout ça. Et il me disait, non, il est comme ça. Je dis, ok, mais ça va ou ça va pas, ou il veut autre chose, ou... Et on savait pas. C'est troublant, ça va être quand même bizarre. C'est vraiment très, très troublant. Mmh. C'est très troublant. Puis bon, deux, trois jours après, il m'a dit, bon, ça va, t'es bien. la Merzak Stouch. Okay, oui. Merzak Stouch. Il faut attendre. Mais non, mais voilà, mais ça, c'est aussi le propre de... c'est aussi ce qui fait nos natures très différentes. Mmh. C'est... il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup et c'est comme ça. Et de toute façon, dans la vie, ne parlons pas beaucoup non plus à tout le monde. Et une équipe de tournage, ça peut, être intimidant pour un réalisateur. Ouais, c'est possible ça aussi, effectivement. Mais nous, comme on arrive, on est jeune, on n'a rien fait et tout ça, on n'imagine même pas que ces gars-là puissent être intimidés. C'est nous, on l'est d'ailleurs quand on arrive. Ça va être compliqué, effectivement. Tu n'as jamais pensé à réaliser un film ? Oui, enfin, ça, c'est très rigolo, parce que je crois que c'est la maturité qui te fait dire ça, parce que t'es pas le premier à me dire ça, mais ça revient maintenant. Je sais pas. Ouais, mais parfois, je me dis... J'ai envie juste de prendre une... mais en fait, le faire, mais à condition que ce soit une écriture collective, ça me dirait bien. Parce que retrouver quelque chose de la troupe de théâtre, mais au cinéma, ça, je trouverais ça plutôt chouette. Revenir à un point de départ, quoi. À la troupe joyeuse, oui, ça me plairait beaucoup. Avec une écriture collective et à ce moment-là, une réalisation avec beaucoup de gens. Quand tu dis une écriture collective, est-ce que ça veut dire tu écris une base, tu écris donc une histoire avec plein de personnages et ensuite le scénario, tu l'envoies aux acteurs et les acteurs te font des retours sur leurs personnages? C'est ça une écriture collective? Non, mais non, oui, c'est vrai que ça prête vraiment beaucoup à confusion, une écriture collective. Je me voyais à 4 ou 5 le faire vraiment avec des potes et partager ce moment d'écriture. Mais qui jouerait dans le film aussi. Aussi, pourquoi pas. Là, comme ça, dans ce cas de figure-là, ça me paraît tout à fait faisable. Ah ben oui, faire le processus de la des commissions, des financements, etc., ça me bloque complètement, quoi. Et est-ce qu'on va te revoir, Matt, d'ici les prochains mois dans quelques films? J'espère. On verra, c'est en cours de... Enfin, dire, c'est en cours de négociation. En tout cas, merci beaucoup, Nadia. En tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir et tu as été bavard juste comme il faut. Ouais, super. Comme moi, je me fais appeler Charlazet. Je m'appelle Zouina. Ça plaît aux hommes. Ça les fait rêver. C'est quoi ton vrai nom? Adir Yaoussi, ça plaît à tout le monde. Homme, femme, chien, chat. Sinon, je m'appelle Arazine. Je préfère Algérie. Ça te plaît, toi, Shahrazade? Ah oui, beaucoup. Comment ça? Mais dans quel milieu tu crois que j'ai vécu? Je suis pas non plus une étrangère, hein? Tu as fait tes études à l'étranger. Et alors? Ici, les hommes n'aiment pas qu'on farfouille dans leur passé, et tu le sais. Ce que tu voudrais, toi, c'est les bourrer de psychotropes et qu'ils deviennent amnésiques. Et toi? Tu n'as pas le droit de continuer à persécuter des vieilles personnes sous prétexte que tu as un bouquin à écrire. Chez nous, on appelle ça... Alors,
Alors là, ce que tu dis, Huria, c'est malhonnête. Il n'est pas rentré, Michel? Il est toujours en Italie. Il ramène le camion demain. Quelle vie, dis donc. T'es à l'hôpital? Lui sur les routes? Ouais, mais quand on se retrouve, je te dis pas. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux, Michel? C'est un gros paresseux. Il a toujours fallu que je le secoue de ce côté-là. Moi, quand j'ai pas mon compte... Ben quoi? Je deviens chiante. T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Comment ça, rien? J'ai entendu ta mère crier. Tu me caches quelque chose. Sassy ne veut pas m'épouser. Oh, le salaud. Aïe! Tu me fais mal. Le verre te va très bien. Cadeau d'un Espagnol. Très, très gentil. Vale. Je te le prête. Le châle, hein? Fifi, tu n'as jamais pensé à te marier? Tous les hommes qui viennent me voir sont mes maris. Ça fait un peu beaucoup, non? Demain, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. C'est pas grave. Demain, je t'emmène voir une grande dame. Elle va tout te dire sur ton Sassy. Elle peut même te le transformer en toutou. Il va te manger dans la main. Dirais-toi. Tu t'appelles comment? Zouina. Bilal. Je dirais vraiment toi.